Bonsoir tout le monde et bienvenue sur le canal Orly en live pardon, de Nice Fiction pour cette dernière conférence scientifique de la journée. Donc ce soir, on invite Franck Celsi, donc que je remercie d'avoir accepté de me faire une conférence aujourd'hui. Donc Franck Celsi est astrophysicien et directeur de recherche à l'Université de Bordeaux. Et donc je vais lui laisser la parole. Et moi, je vous retrouve à la fin de la conférence pour poser des questions et discuter avec Franck. Franck, c'est à toi. Ben, merci beaucoup. Vous m'entendez bien? Tout va bien? Tout va très bien. Voilà. Alors, avant de lancer ma présentation, d'abord, je remercie. C'est super de pouvoir participer de loin, hélas, à Nice Fiction. Donc, ça me fait très plaisir de pouvoir participer. Quelques mots sur mon travail. Donc, moi, je suis astrophysicien. Je m'intéresse aux planètes autour d'autres étoiles, aux exoplanètes. Je travaille là-dessus depuis juste les débuts de cette discipline. J'ai commencé à travailler, à faire ma thèse là-dessus en 95, juste au moment de la première découverte des exoplanètes. Et je m'intéresse à leur détection, mais surtout à leur caractérisation et à essayer d'étudier leur atmosphère et ce qu'on commence à savoir faire. Et avec derrière une motivation, une question, c'est d'essayer d'explorer ces autres mondes autour d'autres étoiles, pour voir s'il n'existe pas des planètes qui, peut-être un peu comme la Terre, offrent des conditions propices à la vie, et voir pourquoi pas imaginer comment rechercher des signatures de vie dans ces atmosphères. Donc c'est plutôt une recherche qui ne fait que débuter et qui est plutôt à long terme. Mais voilà, c'est une grande motivation. Et bien sûr, vous imaginez bien que avant de voyager dans les astres avec la science et la recherche, j'ai fait ça via la science-fiction. Et là, je ne suis pas chez moi, je suis dans mon bureau. Et pourtant, la science-fiction vient jusque dans mon bureau. Donc, je suis amateur de science-fiction, je n'en suis pas un expert. Mais voilà, je vais essayer aujourd'hui de glisser un peu de science-fiction dans la science. Voilà, donc je vais partager ma présentation. Hop. Voilà. Est-ce que vous voyez ça? Oui, c'est bon? Oui, Franck, on voit. Super, alors je vais essayer de. Est-ce que vous voyez le pointeur aussi? Alors attendez, je vais. Je sais qu'on peut l'utiliser. Voilà. En tout cas, on voit le curseur de la souris. Très C'est bien, ça. super. Bon, mais voilà. Donc, je vais essayer de vous parler un petit peu, vous allez voir, en prenant la suite de penseurs, de vulgarisateurs comme Fontenelle, qui au XVIIe siècle parlait de la pluralité des mondes habités. On démarrera par là. Et puisque le thème de Nice Fiction était l'hybridation, je voulais aussi montrer comment justement les représentations, dans le cas particulier ici, des autres mondes, des autres planètes, bien s'hybrident avec nos imaginaires. Et ou avec, on verra, avec notre absence justement d'imaginaire, on va toujours tout ramener à la Terre parce que c'est l'exemple qu'on connaît. Voilà. Alors en illustration ici, on a une image d'un système planétaire qui est volontairement, je dirais, artificialisé pour qu'on n'ait aucun doute sur le fait qu'il s'agit d'une vision d'artiste, hein, on va dire. Ça, c'est un problème qu'on a justement quand science et imaginaire s'hybrident dans les représentations. On aime bien, nous les scientifiques, par exemple, quand on découvre une exoplanète, faire une espèce de représentation hyper réaliste de la planète, alors que généralement, on ne connaît que sa période orbitale, son rayon, sa masse, des choses comme ça. Donc, on ne sait rien sur son environnement, sur ses propriétés de surface, son atmosphère. Et pourtant, ça crée parfois un peu de confusion. Donc, quand on avait découvert ce système qui s'appelle TRAPPIST-1, j'en reparlerai parce c'est un peu notre chouchou actuellement dans la diversité des exoplanètes, on a volontairement voulu qu'il n'y ait aucun doute sur le fait que là, c'était des représentations de l'imaginaire plus que de la science qui s'exprime. Voilà, je vous ai mis mon adresse mail. Si jamais vous avez des questions, des remarques à l'issue de cette présentation, n'hésitez pas à m'écrire. Alors, je vous l'ai dit, alors attendez, hop, que je revienne là. Voilà, je vous l'ai dit, je voulais commencer avec Fontenelle, qui a écrit donc, dans les années 1680, après il y a eu plein de rééditions, Les Entretiens sur la pluralité des mondes. Et
C'est assez facile. C'est un ouvrage que j'aime beaucoup. Je vous recommande. Il est court. On le trouve sur Gallica. Grosso modo, Fontenelle va essayer de se faire le messager, le vulgarisateur de la science de l'époque. Donc Fontenelle, il arrive après les grands penseurs de la Renaissance. Copernic est déjà loin dans son passé. Galilée et Giordano Bruno, et là surtout, ça il va être très influencé par Descartes, donc il va avoir envie de relater les sciences, les écrits. Alors il est contemporain de Newton, il va pas encore intégrer la mécanique céleste de Newton, donc il va plutôt parler des tourbillons, parce que bien sûr à cette époque-là, on ne comprend pas trop comment les planètes tournent autour du Soleil, donc lui il va parler des tourbillons de Descartes, mais c'est pas grave. Et donc en fait, l'idée de ce texte que j'aime beaucoup, c'est de, en fait, il va recenser les planètes du système solaire et les lunes qui étaient connues à l'époque, donc notre lune et les lunes de Jupiter. Et il va essayer d'imaginer, en fonction de ce qu'on sait des observations de ces astres, de ces mondes, ce que peuvent être les habitants de ces planètes. Et ce que j'admire beaucoup chez lui, c'est qu'il, dans son texte, il y a une très claire distinction entre ce que sont les faits observationnels, les faits scientifiques. Et là où c'est son imaginaire, sa spéculation, son intuition qui parle, en disant bien que ça, c'est possible, ça n'est pas interdit par nos observations, c'est plausible, mais sûrement la vérité est un peu différente, mais c'est aujourd'hui. Donc ça, c'est quelque chose de très remarquable, je trouve, cette rigueur. Et finalement, il fait quelque chose qui s'apparente un petit peu à au moins une certaine science-fiction. Et alors, je me suis amusé. Dans le texte là que je vais vous lire immédiatement, il s'amuse à définir un peu la philosophie ou une vision de la philosophie et des philosophes. Et vous me direz ce que vous en pensez, mais je me suis amusé à remplacer dans ce texte philosophie par science-fiction et philosophe par auteur de SF. Et vous me direz si on a toujours du mal à trouver une définition de la science-fiction, elle est un peu insaisissable cette science-fiction, mais je trouve celle-là serait pas mal. La science-fiction, bien sûr, la philosophie, n'est fondée que sur deux choses, sur ce qu'on a l'esprit curieux et les yeux mauvais. Car si vous aviez les yeux meilleurs, que vous ne les avez, vous verriez bien si les étoiles sont des soleils qui éclairent autant de monde ou si elles n'en sont pas. Et si d'un autre côté, vous étiez moins curieuse, il s'adresse à la comtesse, je crois, à la demoiselle avec qui il a cet entretien, si vous étiez moins curieuse, vous ne vous soucieriez pas de le savoir, ce qui reviendrait au même. Mais on veut savoir plus qu'on ne voit, c'est là la difficulté. Encore, si ce qu'on voit, on le voyait bien, ce serait toujours autant de connu, mais on le voit tout autrement qu'il n'est. Ainsi, les vrais auteurs de SF passent leur vie à ne point croire ce qu'ils voient et à tâcher de deviner ce qu'ils ne voient point. Et bien voilà, moi ça me convient assez. Une des choses sur lesquelles je voulais insister dans cet exposé sur les exoplanètes, c'est qu'en fait, l'imagination fait forcément partie de la démarche scientifique en amont, quand on émet les hypothèses, ensuite on les teste, on les confronte. Et c'est Richard Feynman qui disait que la science, c'est l'imagination dans une camisole. Et simplement, la science-fiction, dans cette camisole, dans la science-fiction, cette camisole, elle est un petit peu débridée par rapport à la camisole de la science. Mais je pense, moi, qu'il y a un fond commun très riche entre les deux. Bien sûr. Alors, Fontenelle, il faut bien se rendre compte que Fontenelle, il vit sur une planète comme nous, qu'il est la seule qu'il connaît, et c'est une planète sur laquelle il y a de la vie partout. Vous pouvez aller dans les déserts les plus arides, les latitudes les plus glacées, les montagnes les plus élevées, vous trouverez de la vie partout. Alors, l'omniprésence de la vie sur Terre, on la connaît mieux depuis le XXe siècle avec la microbiologie, où on sait qu'il y en a jusque dans les fonds marins, dans la croûte terrestre, dans des milieux, disons, hostiles. Même au point que, en fait, si vous voulez trouver des endroits sur Terre, à la surface de la Terre, dénués de vie, c'est une découverte en soi si vous en trouvez. Alors voilà un exemple, c'est le seul que je connaisse, un lac en Éthiopie, où on ne trouve pas de vie. Les conditions sont vraiment archi, archi hostiles. C'est trop acide. Il y a trop de salinité. Il y a trop de certains minéraux toxiques. Donc là, effectivement, les scientifiques ont, pour l'instant, rien trouvé de vivant, mais c'est très, très rare. Donc, quand on est un penseur et que, bien sûr, on n'a pas une vision, je dirais, mythologique, religieuse des astres, qu'on essaie de raisonner sur le cosmos, mais on raisonne par analogie. Donc, en fait,
Il est assez naturel que Fontenelle, ou des penseurs avant lui de l'Antiquité comme Épicure, ne se disent pas est-ce que les autres astres sont habités, mais comment sont les habitants de ces autres astres? Est-ce que les arbres sont comme chez nous? Quand on contemple la diversité de la vie terrestre, on peut se dire que les autres planètes en offrent un échantillon encore un peu plus diversifié, un peu différent. Est-ce que les gens sont plus grands, plus petits? Est-ce qu'ils ont autant de jambes que nous? Et puis, bien sûr, quelles sont leurs sociétés? Bien sûr, toutes les utopies qui ont été transposées sur les autres mondes. Donc, il ne faut pas s'étonner si quelqu'un comme Fontenelle va passer les mondes en revue en disant, ben voilà, en fonction des caractéristiques de ces mondes-là, comment il peut les imaginer? Et je vais passer un petit peu de temps sur Mars avant d'aller autour des autres étoiles. Et ce que dit Fontenelle sur Mars est assez comique, puisqu'en fait, il dit... Donc, il a énuméré Mercure, enfin le Soleil d'abord, où lui, il pense que sur le Soleil, c'est très compliqué d'avoir de la vie. Mercure, la Lune, et puis il arrive à Mars. Mars n'a rien de curieux que je sache. Ses jours sont de plus d'une demi-heure plus longs que les nôtres. Ses années valent deux de nos années, à un mois et demi près. 5 fois plus petit que la Terre. Il voit le Soleil un peu moins grand, un peu moins vif que nous le voyons. Enfin, Mars ne vaut pas la peine qu'on s'y arrête. Si on disait ça aujourd'hui, Mars ne vaut pas la peine qu'on s'y arrête, ça voudrait dire c'est un désert stérile, sans intérêt. Lui, ce qu'il veut dire par là, c'est juste que c'est une autre Terre. Il va s'arrêter sur Jupiter et sa grande taille, sur les satellites de Jupiter qui sont très près et qui, donc, dans le ciel, voient un immense Jupiter, sur Mercure, à la proximité du Soleil. Sur Mars, il n'a pas grand-chose à en dire. Voilà, donc pour lui, il ne va pas aller imaginer les différences qu'on pourrait en voir entre les peuples de Mars et ceux de la Terre. Donc ça, c'est important de voir qu'en fait, parfois, imaginer la vie sur les autres mondes, c'est pas être capable de grande imagination, c'est être capable de peu d'imagination finalement, mais je le dis avec beaucoup de respect pour Fontenelle, il n'avait rien de particulier à dire, pas de différence notable avec Mars. Alors Mars va être je dirais, la projection de plein d'imaginaires, justement, dans ces représentations, et en particulier avec cette histoire de canaux qui vont être mentionnés en 1869, d'abord par un astronome italien, Angelo Secchi. Mais pour lui, il va le désigner pour parler de grandes structures sombres, un peu comme à l'époque on parlait des mers lunaires. Donc, il va parler de structures sombres qui sont probablement, effectivement, selon lui, des bras de mer ou des espèces de très grands fleuves ou deltas. Et c'est vrai que dans certaines langues, canali, canaux, ça peut revêtir un caractère artificiel. Et en 1869, eh bien, c'est aussi une époque où nous-mêmes, sur Terre, modifions la géographie de notre planète, puisqu'on inaugurait le canal de Suez. Donc, c'est assez intéressant que l'année où on inaugure le canal de Suez, on voit des canaux qui vont vite devenir artificiels dans l'imaginaire. Au début, ça va être des représentations, finalement, comme ici en bas à gauche, voilà, qui sont, je dirais, éventuellement des signatures de présence de mer et d'eau, mais rien d'artificiel. Ici, dans un dessin de Schiaparelli, ici de Dawes. Et en fait, en 1877, année d'une opposition, donc ces moments où Mars et la Terre sont très proches, eh bien, c'est aussi l'année où on va découvrir les deux lunes de Phobos et Deimos, les deux lunes de Mars. Schiaparelli, lui, va voir des tracés rectilignes, parallèles, des espèces de périphériques, de rocades, des sortes de villes. Et ça va créer, je dirais, une représentation d'un Mars non seulement habité, mais habité d'une autre civilisation. Et ça va stimuler l'imagination et l'intérêt à mi-chemin entre science et imaginaire, notamment de Camille Flammarion, qui va vraiment, lui, alors justement pour moi, par rapport à Fontenelle, il va perdre un peu la rigueur de la démarche scientifique et il va essayer de démontrer que ces spéculations qu'il va faire sur l'environnement martien et la vie martienne, comme par exemple dans ce petit texte que j'ai collé où il va dire que ces hypothèses qui peuvent paraître conjecturales à certains esprits timides sont appuyées sur une argumentation judicieusement fondée. Il va l'asséner beaucoup. Et là, par exemple, il explique que à cause de la faible gravité de Mars, eh bien, il va y avoir des végétaux beaucoup plus hauts, beaucoup plus grands que sur Terre, des êtres plus grands, mais aussi et surtout un caractère aérien, ailé de la plupart des races et des peuples qu'il doit y avoir à la surface de Mars.
Et donc, il va non seulement évoquer dans ses livres des paysages, mais aussi des peuples et des animaux, et je dirais, en y mettant une espèce de caution scientifique. Il a moins assumé son imaginaire et sa spéculation que Fontenelle, pourtant 2 siècles avant lui. Alors parfois, il délire un peu Flammarion, puisque par exemple, dans un de ses textes, là, Les Terres du Ciel, il vous explique, par exemple, il imagine ce que pourraient être les guerres sur Mars entre les peuples martiens, et il se dit, tiens, mais ça doit être difficile, parce que par exemple, des batailles comme les nôtres seraient fort difficiles, attendu que les projectiles lancés par des canons comme les nôtres ne retomberaient jamais et s'enfuiraient dans le ciel, la pesanteur étant incapable de les retenir. Tout au plus pourrait-on se batailler entre les 2 satellites de Mars ou entre ces 2 globes et la planète. Alors là, il délire un peu quand même, parce que la vitesse de satellisation de Mars, ça doit être quelque chose comme 3 km par seconde. Et donc, même aujourd'hui, nos balles de fusil, nos boulets de canon, ils ne vont pas à cette vitesse-là. Donc, pourtant, il avait tout pour faire le calcul. Alors, peut-être qu'il a été influencé par, 3 ans plus tôt, l'ouvrage de Jules Verne, Les 500 millions de l'abbé Gobe, où justement, il y a le même phénomène qui se passe, où un obus qui devait être terrible se retrouve satellisé autour de la Terre. Donc, il avait tout pour faire ce calcul. Je ne sais pas ce qu'il lui a pris. Mais vous savez, Flammarion, c'était un scientifique, mais aussi un spirite, un médium. Il faisait des choses très curieuses. Alors, pour vous donner une idée, je reste encore un tout petit peu sur Mars. Pour vous donner une idée de l'état d'esprit dans lequel on pouvait être au début du XXe siècle, en 1900, eh bien, l'Académie des sciences sponsorise un prix en 1900, le prix Guzman, qui prévoit de donner 100 000 francs. Ah, je vais juste enlever mon casque, je n'en ai pas besoin là en fait. Qui prévoit de donner 100 000 francs à celui. Alors c'est vrai qu'à l'époque c'était celui, hein. On n'imaginait pas qu'une femme puisse trouver un moyen de, voilà, quoi que ce soit de scientifique, bien sûr c'était idiot, celui qui aura trouvé le moyen de communiquer avec un astre, donc d'envoyer un message et d'avoir une réponse, autre que la planète Mars. C'est-à-dire Mars, ok, c'est trop facile quand même, on sait, il y a des canaux, il y a des villes, il y a de l'agriculture intensive, voilà, donc ça c'est assez fascinant. Alors, ce prix il a été quand même assez vite embarrassant et il a été décerné de façon discrète en 1969 quand l'équipage d'Apollo s'est posé sur la Lune et que effectivement Houston a pu envoyer un message à la Lune qui a pu recevoir réponse. Hop, bon débarras, le prix Guzman il est donné, on passe à autre chose. Il aura fallu quand même 69 ans pour le donner. Voilà, alors ce qui est fascinant, si vous voulez, c'est que. Vous pourrez trouver dans la littérature de science-fiction, mais pas que, même dans des ouvrages de vulgarisation, cette idée qu'en fait, il y a un déclin de Mars. Il y a un déclin de Mars. Mars est représenté toujours comme une civilisation ou une biosphère en déclin. Et pour moi, ça, c'est juste simplement l'évolution, l'accroissement de notre pouvoir d'observation. Donc, si vous voulez, on est passé en bas à gauche de Percival Lowell, qui voyait des canaux sur Mars. Ensuite, avec la grande lunette de Meudon, par exemple, vers 1909, on a vu que plus on augmentait le pouvoir d'observation de Mars, et bien, ces canaux ils disparaissaient, ils étaient remplacés par des structures beaucoup moins rectilignes, et c'était le cerveau, en fait, qui, ne supportant pas l'absence de structure et le flou de cette vision, créait des canaux. En 1965, Mariner 4, qui monte des paysages lunaires. Et puis voilà, après les sondes martiennes, comme vous voyez aujourd'hui, qui ne laissent plus aucun doute. Et donc, effectivement, à mesure qu'on avait une vision de plus en plus précise de Mars, eh bien, on est passé de cette planète civilisée avec des axes appelés canaux, à des paysages peut-être sans civilisation, mais de la végétation. En 1996, on pensait avoir trouvé une bactérie dans une météorite qui venait de Mars, ce qui avait donné lieu à une conférence de presse du président Bill Clinton. Conférence de presse reprise dans le film Contact de 1997, où on voit Clinton annoncer la découverte de vie. Alors dans le film, c'est un signal extraterrestre. Alors c'est assez rigolo parce que juste sous cette image ici de la petite bactérie qu'on pensait avoir trouvée, j'ai mis une image de l'atterrisseur Viking de 1977 avec Carl Sagan à côté. Carl Sagan, bien sûr, ça s'est pas sur Mars, c'est pris en Californie. C'est un double d'un des 2 landers vikings. Carl Sagan, qui est bien sûr planétologue, astrophysicien, mais c'est aussi lui qui a écrit le roman Contact, qui a été adapté par Robert Zemeckis. C'est une petite parenthèse. Et bien sûr, aujourd'hui, on a un degré d'observation incroyable, puisqu'on a des robots sur Mars.
même des petits hélicoptères. Aujourd'hui, Ingenuity fait son 7e vol. Et cette quête de la vie martienne, mais elle n'est toujours pas finie, mais elle se réduit. On est passé d'une civilisation aujourd'hui à une molécule, le méthane, qui excite certains observateurs. On n'est même pas sûr de l'avoir détectée. Et si on l'avait détectée, bah, c'est une molécule très simple qui ne nous dirait pas forcément grand-chose. Mais disons qu'on est toujours là où il y a le moindre recoin de possibilité de placer la vie, on la place comme hypothèse première. Voilà, donc cette vision d'un Mars canalisé comme ça, faite par Percival Lowell ici par exemple, eh bien, elle ne résiste pas à l'observation, à l'observation détaillée. Alors oui, Mars est habité, mais il est habité par des robots. Il est habité par des robots envoyés par l'humanité. Et c'est autre chose. Et ce scénario, on l'a connu pour toutes les autres planètes et lunes du système solaire. Ce qui ne veut pas dire qu'on a fait un trait absolu et définitif sur la possibilité de trouver de la vie dans le système solaire. On n'a pas de raison de penser qu'il y en a, mais il y a des niches, comme par exemple les océans sous la surface des lunes glacées de Jupiter ou de Saturne, voire pourquoi pas le profond sous-sol martien, voire pourquoi pas les nuages de Vénus. Mais voilà, ce sont juste les endroits qu'on n'a pas encore éliminés ou que l'observation tolère encore à nos imaginaires d'aller les peupler. Alors, bien sûr, cette conquête du système solaire, conquête, c'est pas un joli mot, cette exploration du système solaire, elle a révélé surtout elle n'a révélé que des endroits stériles. Et donc, la pluralité des mondes, telle que l'intuition qu'avaient eue des gens comme Démocrite, Giordano Bruno, Fontenelle, Flammarion et bien d'autres, elle s'avère fausse. Donc, c'est la démarche scientifique, on émet des hypothèses. On compare aux observations, mais on pense avoir compris quelque chose de tout ça, c'est que si la Terre a un caractère unique dans le système solaire, elle le doit à deux choses. Elle le doit d'abord à sa taille, alors elle le doit à deux choses, on va dire, à sa distance au Soleil et la région bleue que j'ai ici représentée, cette gamme de distance au Soleil qu'on va appeler de façon très mal nommée, c'est un jargon qu'on utilise, la zone habitable. Qui est en fait la gamme de distance orbitale où une planète peut avoir de l'eau à liquide à sa surface. Et quand on est dans cette zone-là, ça ne veut pas dire qu'il y a de l'eau liquide, mais ça veut dire que ce n'est pas impossible. Alors Mars pourrait en avoir, mais Mars est trop petit pour avoir gardé une atmosphère, pour avoir gardé une activité géologique. Si on mettait la Terre à la distance de Mars, vous allez le voir, on pense qu'elle aurait des océans liquides. Je vais vous expliquer pourquoi. Et donc, passé cette déconfiture de l'exploration du système solaire, on s'est dit, OK, la Terre a un caractère unique, mais on comprend pourquoi c'est lié à sa situation et ça va avoir des conséquences, bien sûr. Donc, pour vous expliquer un petit peu, pardon, cette zone habitable, faisons une expérience de pensée. Alors, la limite interne de la zone habitable, c'est très simple, c'est qu'en fait, les océans s'évaporent. Vous pouvez, si vous rapprochez trop votre planète d'une étoile, ben, au bout d'un moment, vous ne pouvez plus garder l'eau liquide. Cette eau, elle se vaporise, elle crée un effet de serre très important qui stimule l'évaporation d'eau, ça s'emballe et on est, voilà, on ne peut plus garder d'océan. On a testé ça avec plein de modèles climatiques dans tous les sens. Et la Terre n'est pas très loin de ce bord interne de la zone habitable, hein. Il suffirait de pas beaucoup de pousser la Terre vers l'intérieur pour vaporiser ces océans. On pense que c'est. Que Vénus n'a jamais pu condenser d'océan, par exemple. Et il faut savoir que la luminosité du Soleil augmente, donc un jour, ce bord interne de la zone habitable va nous rattraper. Et donc, à moins de faire un grand parasol à la Terre pour enlever une partie du rayonnement du Soleil, eh bien, dans moins d'un milliard d'années, les océans se vaporiseront. C'est par exemple, il y a par exemple une course contre ce phénomène dans le roman Spin de Robert Charles Wilson, si vous l'avez lu. Donc cette limite, on la connaît bien. Et la limite externe, elle est plus difficile à définir. On va faire cette expérience de passé, de pensée. On va prendre la Terre, donc on va faire de la science-fiction, et on va la placer un peu plus loin, où elle reçoit un petit peu moins d'insolation. Et donc, mettons, on baisse son insolation de 10%. Et voilà ce qui se passe. Donc, vous avez le temps qui s'écoule en années. Et à cause d'un phénomène qu'on appelle en anglais le ice albedo feedback, l'emballement de l'effet de serre, dès lors qu'on commence à englacer des terrains et des océans, eh bien, comme la glace reflète beaucoup plus la lumière du soleil, environ 10 fois plus que les océans,
Eh bien, ça accélère la baisse de température. Et vous voyez que si on fait cette manip-là en 2-3 décennies, on gèle la totalité de la Terre. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire, parce qu'il faut savoir que ça s'est déjà passé plusieurs fois sur Terre, notamment il y a environ 600 millions d'années, juste avant l'explosion de la vie multicellulaire, l'explosion du Cambrien. Alors, comment ça se fait qu'on peut sortir de ce genre de piège? Eh bien, c'est parce que dans l'atmosphère de la Terre, on a un gaz qui nous pose problème aujourd'hui parce qu'on en accélère l'augmentation, on augmente sa teneur de façon justement inédite dans l'atmosphère et on crée un changement climatique. Mais qu'est-ce qui se passe habituellement? Ben, le dioxyde de carbone, il est émis, mettons, par les volcans, par le volcanisme, mais il ne fait que passer dans l'atmosphère parce qu'en fait, il se dissout dans l'eau sous forme d'acide carbonique et là, il va réagir avec, mettons, du fer, du carbone, pardon, du calcium, du sodium, du magnésium, il va former des roches qu'on appelle des carbonates et il ne fait que passer. Si le scénario que je vous ai décrit se passe, pardon, excusez-moi, hop, aïe, j'ai perdu un peu la maîtrise de ma présentation, j'espère que je ne suis pas obligé d'arriver jusqu'à la fin de ça, non, c'est bon. Si le scénario que je vous ai décrit se passe, ben on casse ce cycle du carbone et le dioxyde de carbone ne fait plus que s'accumuler dans l'atmosphère. Et là, en l'espace de, mettons, 1 million d'années, vous vous retrouveriez à doubler la pression atmosphérique, mais elle serait pour moitié du dioxyde de carbone, alors qu'aujourd'hui, c'est un composé trace. Donc, comme le dioxyde de carbone est un composé à effet de serre, un gaz à effet de serre, eh bien, à partir d'une certaine teneur, il va augmenter la température au point. Oh là là, pardon. Au point de faire que le cycle redémarre. Et c'est comme ça qu'on est sorti de ces épisodes de Terre boule de neige. Et si Mars avait encore des volcans actifs, eh bien, il pourrait accumuler une atmosphère qui lui permettrait de sortir de cet état-là. Mais ce petit jeu, il a une limite. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on ne peut pas avoir un effet de serre supérieur à une certaine limite. Et ça, c'est le bord externe de la zone habitable. C'est-à-dire que vous aurez beau mélanger dans votre atmosphère du dioxyde de carbone, du méthane, etc. Vous n'arriverez pas à aller, mettons, disons, vous pourrez aller un peu plus au-delà de l'orbite de Mars, mais guère plus. Voilà, donc ça nous définit cette fameuse zone habitable, alors qui est très mal nommée, parce qu'en fait, c'est juste un critère climatique, hein. On ne va pas discuter tous les ingrédients de la vie. Simplement un critère climatique lié à la présence d'eau, la possibilité d'eau liquide, de liquide. Alors, ça ne veut pas dire que si vous êtes dans la zone habitable, Mars nous le montre bien, ça ne veut pas dire que votre planète va avoir les caractéristiques d'habitabilité, mais ça veut dire que si vous êtes en dehors, eh bien, on ne connaît pas aujourd'hui de scénario pour avoir de l'eau liquide en surface. On connaît des scénarios pour avoir de l'eau liquide à l'intérieur. Par exemple, c'est le cas des lunes glacées de Jupiter ou de Saturne. Mais pour nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout, alors de façon peut-être très arbitraire, géocentrée, la vie en surface, notamment pour la question d'être capable de l'observer ailleurs. Dans le système solaire, on peut aller creuser avec la pelle et la pioche pour étudier éventuellement ces océans. Mais sur les exoplanètes, on doit voir les manifestations de la vie pour imaginer les détecter. Donc cette zone habitable, c'est plutôt notre zone privilégié de recherche de vie, ou en tout cas la zone où on pourrait trouver des mondes avec des océans, des rivières, des lacs. Voilà. Donc finalement, par rapport à Fontenelle, eh bien, on a déplacé le problème en disant, OK, on comprend maintenant pourquoi on ne trouve pas d'autres terres dans le système solaire, mais alors, si c'est une position privilégiée, on va aller voir autour de ces autres soleils qui sont pléthores dans le ciel. Alors la première question, c'est est-ce que vraiment les étoiles sont des soleils? Alors c'est un problème de vocabulaire, mais disons que on voit bien sur une image que, y a plein de types d'étoiles différentes. Il y en a des bleues, il y en a des rouges. D'ailleurs, sur une image comme ça, on voit essentiellement des étoiles géantes, soit des étoiles jeunes qui vont vivre très peu de temps, comme les géantes bleues ici, ces points blancs bleutés qu'on voit, ou des étoiles comme le Soleil en fin de vie qui forment des géantes rouges, ouais, parce qu'elles sont très brillantes, donc on les voit en majorité. Mais il y a une grande diversité d'étoiles, donc le Soleil qui a sa température de 5800 Kelvin. C'est comme les Celsius à 273 degrés de différence. Donc, si vous voulez en Celsius, vous enlevez 273 degrés. Et on va grosso modo de toutes petites étoiles rouges à des étoiles qui peuvent être absolument gigantesques. Alors, c'est quoi leur distribution en fait à ces étoiles-là? Est-ce que le Soleil est générique? Eh bien, si on regarde dans une sphère de 10 parsecs,
qui est une unité de jargon d'astronome qui fait 3,26 années-lumière, bien dans une sphère de 10 parsecs autour du Soleil, il y a 400 étoiles qui se répartissent de la façon suivante, avec des catégories. On aime bien mettre tout dans des boîtes et des catégories. Donc, on va donner un nom qui est une lettre aux étoiles. Donc, on va avoir d'abord les naines brunes ici qui sont des étoiles ratées. Mais on voit qu'on est totalement dominé par des petites étoiles qu'on appelle les naines rouges ou les étoiles M. Pardon, ah, excusez-moi. Et donc, sur ce diagramme, quand on va vers la gauche, on va vers des étoiles de plus en plus massives, de plus en plus grandes, de plus en plus chaudes, de plus en plus lumineuses, mais qui durent de moins en moins, qui vivent moins en moins longtemps. Donc le Soleil est une étoile de type G, et vous voyez qu'il y a assez peu d'étoiles plus massives que le Soleil. On en trouve très peu, et elles vont vivre de toute façon très peu de temps, donc ça ne change pas grand-chose, mais on voit que la galaxie, elle est dominée essentiellement par des petites étoiles, très petites étoiles, qui vivent des durées extraordinaires, donc qui représentent l'essentiel de la population stellaire. Disons, on peut dire que les étoiles de type soleil, qu'on pourrait vraiment qualifier de soleil, c'est à peu près 10% des étoiles dans la galaxie. Alors bien sûr, cette zone habitable, hein, elle va être d'autant plus proche de l'étoile que l'étoile est peu lumineuse. Donc ici, je me suis amusé à représenter. Ça ne change pas grand-chose pour les questions d'habitabilité, mais ça va changer les périodes orbitales et ça va changer les effets de marée. On en reparlera plus tard. Ça, c'était juste pour illustrer le fait que j'ai pris trois types d'étoiles. Donc voilà, je fais écouler le temps en milliards d'années. Alors on les voit à peine évoluer. Le Soleil, sa luminosité augmente un peu. La petite étoile rouge à gauche, elle ne bouge pas. Et l'étoile qui fait juste 50% de plus de la masse du Soleil, pouf, elle évolue très vite et en 2,5 milliards d'années, elle est finie. Et si c'était une étoile qui ferait, mettons, trois fois la masse du Soleil, en moins d'un million d'années, en quelques millions d'années, elle serait, pendant quelques centaines de millions d'années ou quelques dizaines de millions d'années, elle serait finie, transformée en naine blanche ou si elle est plus massive, en étoile à neutrons ou si elle est plus massive, en trou noir. Alors, les planètes, est-ce que l'intuition de Démocrite, de Giordano Bruno, de Fontenelle, que les étoiles ont des planètes, est-ce qu'elle s'avère correcte? Alors déjà, je vous montre ici une image assez exceptionnelle d'un système planétaire. On en a très peu des comme ça, on doit avoir une vingtaine de systèmes planétaires qu'on peut vraiment prendre en photo, imager. Donc pourquoi on n'arrive pas à le faire habituellement? Eh bien, parce qu'on n'arrive pas à voir très très près de l'étoile. On a un problème de diffraction et de contraste, c'est-à-dire que les planètes sont trop peu lumineuses par rapport aux étoiles et trop près de l'étoile. Il faudra des très très grands télescopes pour arriver à voir très près, mais il y a dans quelques cas où on peut voir les exoplanètes, où on peut voir les planètes, c'est quand elles sont très loin de leur étoile. Donc ici, les planètes qu'on voit, elles sont grosso modo à la distance entre, mettons, le Soleil et Neptune, voire plus loin. Mais elles viennent de se former, elles ont un million d'années et elles sont encore très chaudes, non pas à cause de la présence de leur étoile, mais parce qu'elles viennent de se former de collision, donc elles sont, mettons, à 1000, 2000 degrés, et donc elles sont très lumineuses. Et on arrive à les voir malgré leur éloignement à l'étoile. Vous avez en bas à gauche les années d'observation, vous voyez 2010, 2012, 2015, ce qui montre qu'on voit le mouvement orbital autour. Donc ça, c'est exceptionnel. C'est très rare qu'on voit ça, mais bien sûr, là, c'est formidable. On peut faire des spectres de ces planètes, les étudier. Mais ce sont des planètes géantes, très jeunes et très chaudes. Dans tous les autres cas, on va avoir des détections indirectes, soit, comme illustré ici, parce qu'on va détecter le mouvement que réalise l'étoile autour du centre de masse du système. Donc la planète orbite autour du centre de masse qui est très proche de l'étoile, mais l'étoile orbite aussi, on le réalise peut-être moins, elle a aussi un léger mouvement orbital, et on arrive à le détecter en mesurant les vitesses de l'étoile. Donc on arrive à mesurer des phénomènes périodiques, et c'est comme ça qu'en 1995, on a détecté la première exoplanète. L'autre grande méthode pour trouver des exoplanètes, c'est la méthode des transits. C'est-à-dire que une petite fraction des systèmes planétaires a la bonne idée d'être orientée de telle façon à ce que, si vous voulez, nous observateurs, on se trouve dans le plan orbital de la planète et donc elle va passer à chaque orbite devant l'étoile. Et il suffit de mesurer la luminosité de l'étoile pour voir qu'elle va baisser périodiquement avec une forme bien précise qui est liée au passage d'un disque sombre à sa surface. Alors,
La plupart des détections d'exoplanètes ont été faites non seulement par cette méthode des transits, mais avec un instrument qui s'appelle Kepler, un télescope spatial qui a fonctionné grosso modo entre 2009 et 2013 dans sa mission principale. Il continue de fonctionner, mais dans un autre mode. Voilà, il a été lancé en 2009. Et l'idée, c'est qu'il a regardé, vous voyez ici une vision du ciel, la Voie lactée, il y a des constellations, le Cygne, l'aigle, la lyre. Et vous voyez les petits carrés ici, ce sont les zones du ciel qu'il regardait en continu. Donc je vais zoomer sur ces zones du ciel. Voilà, là c'est ce que voyait Kepler. Et il voyait en fait 150 000 étoiles qu'il a suivies pendant 4 ans en mesurant leur luminosité toutes les demi-heures. Et on s'est dit, ben, on va regarder, est-ce qu'on voit des planètes qui transitent, c'est-à-dire qui passent devant leur disque de leur étoile. Alors on sait que la probabilité, elle est faible, hein. Par exemple, la Terre et le Soleil, vous en prenez 200 analogues du couple Terre-Soleil, vous les mettez dans le ciel orienté n'importe comment, il n'y en aura qu'une sur les 200 qui va transiter. Donc il faut observer beaucoup d'étoiles et en se disant, on va voir la partie du sommet de l'iceberg qui est bien orientée par rapport à nous. Et l'animation que je vais vous montrer ici, c'est le champ des étoiles de Kepler. En haut à droite, vous aurez la date, ça commence ici au 1er juillet 2012, et à chaque fois que vous aurez un petit rond qui apparaît, c'est un transit d'une exoplanète. La taille de ce rond va correspondre à la taille de la planète. Si c'est gros, c'est un Jupiter. Si c'est petit, c'est une petite planète tellurique. Et sa couleur va correspondre à sa température. Vous aurez surtout des ronds rouges de planètes plutôt chaudes. Et regardez le temps qui passe. Voilà. Tout ça, ce sont des transits d'exoplanètes. On est toujours le 1er juillet 2012. Voilà, on est passé au 2 juillet. Et c'est quand on a... Alors ça, on s'en est pas rendu compte en temps réel. Il fallait traiter les observations. Ça a mis beaucoup de temps. Mais ça, vraiment une révolution parce que voilà, on est passé d'un univers où on se posait la question de savoir si les étoiles avaient des cortèges de planètes, où là, on a su, en fait, parce qu'on connaît le biais géométrique, le fait qu'on n'observe que les systèmes qui sont bien orientés, donc on peut corriger de ce biais-là. Et la conclusion de ces observations, ça a été que eh bien, la grande majorité des étoiles, la majorité des étoiles, plus d'une étoile sur deux, avec a au moins une planète d'un type qu'on est capable de détecter. C'est-à-dire que grosso modo, voilà, on a su après Kepler que la formation des étoiles s'accompagne de la formation de planètes. Alors il y a une grande diversité de planètes, mais par contre, il y a des planètes partout, quasiment autour de toutes les étoiles. Donc voilà, pour vous représenter un petit peu la population des exoplanètes telle qu'on peut la sonder avec nos moyens d'observation qui sont limités. Donc qu'est-ce que j'ai représenté ici? Au lieu de vous mettre en abscisse la distance entre la planète et l'étoile, je vous ai mis la température de la planète, une estimation de la température. Alors c'est en Kelvin, donc, mais vous avez la Terre pour vous faire une idée de la température. Et vous avez la masse de la planète et vous avez les planètes du système solaire. Donc la première constatation, celle que je dis toujours aux étudiants, c'est que si tous les systèmes planétaires étaient des systèmes solaires, eh bien aujourd'hui, on n'en aurait détecté aucun ou peut-être quelques Jupiters. Mais le fait que cette partie du diagramme ne soit pas peuplée, c'est juste notre difficulté d'observer. Alors le rond correspond en fait à l'étoile et non à la planète. Quand vous avez un gros rond plutôt clair, c'est une grosse étoile, et que vous avez un petit rond plutôt rouge, c'est une naine rouge. Alors, ce qui est fascinant, c'est que bon, ben, on peut faire des sortes de catégories. En haut à gauche du diagramme, vous avez les Jupiters chauds, les plus faciles à trouver, des Jupiters très proches de leur étoile. Il y en a environ autour d'une étoile sur 100. Les Jupiters plus analogues aux nôtres, c'est environ 10, peut-être 20, peut-être 30% des étoiles de type solaire qui en ont. Les naines rouges n'en ont pas. On a encore beaucoup de mal à trouver des planètes de taille terrestre. Mais ce qui est fou, c'est que dans le système solaire, vous voyez, on n'a rien, hein, nous, entre des planètes qui font la taille et la masse de la Terre et la taille et la masse de Uranus et Neptune, qui font à environ 4 fois le rayon de la Terre, 15 fois la masse de la Terre. En fait, c'est la grande majorité des étoiles à ce type de planète, des planètes intermédiaires entre les telluriques et les géantes, plus d'une étoile sur deux à ce type de planète qu'on ne sait pas comment appeler, on les appelle des super-terres, mais forcément c'est très chargé, comme ça montre un manque d'imagination. Mais en tout cas, voilà, il y a une très grande diversité et clairement, je ne dirais pas que les systèmes solaires sont rares, parce que il faudrait d'abord définir exactement quelles sont les caractéristiques du système solaire qui nous importent, mais en tout cas, il y a une énorme diversité de systèmes planétaires. Voilà. Alors, est-ce que tous les types d'étoiles dont on a parlé ont des planètes?
Oui, disons, à la limite de nos capacités d'observer, on ne peut pas observer autour de toutes les étoiles, mais on trouve des planètes aussi bien autour des petites étoiles rouges que autour des étoiles plus de type solaire et dans des architectures très variées. Et là, je dois donner un coup de chapeau à Fontenelle, qui avait très bien intuité ça. Donc son interlocutrice lui dit, mais en fait, ok, je comprends pourquoi vous dites que peut-être que toutes les étoiles sont en fait des soleils avec leurs planètes, mais pourquoi ça devrait être exactement comme le système solaire? Et il dit, ah non, mais j'en sais rien, je ne sais pas. Un tourbillon, alors ce qu'il appelle les tourbillons, c'est les systèmes planétaires, hein, c'était la façon de voir de Descartes. Un tourbillon a plus de planètes qui tournent autour de son soleil, un autre en a moins. Dans l'un, il y a des planètes subalternes qui tournent autour de planètes plus grandes. Dans l'autre, il n'y en a point. Ici, elles sont toutes ramassées autour de leur soleil et font comme un petit peloton, au-delà duquel s'étend un grand espace vide qui va jusqu'au tourbillon voisin. Ailleurs, elles prennent leur cours vers les extrémités du tourbillon et laissent le milieu vide. Je ne doute pas même qu'il ne puisse y avoir quelques tourbillons déserts et sans planètes. Ben voilà, Fontenelle, 1684, il vous a fait la description de la diversité telle qu'on la connaît aujourd'hui des systèmes exoplanétaires. Alors, ça n'est qu'une intuition, hein. Il est bien tombé. Peut-être qu'il est beaucoup, enfin, on sait qu'il est beaucoup plus mal tombé sur d'autres aspects, mais je trouve ça assez fascinant. Donc, oui, les systèmes solaires, les systèmes planétaires sont absolument communs, banals dans le système solaire. Est-ce que le système solaire est exceptionnel de par son architecture et bien sûr de par la présence de la Terre? Ça, c'est la prochaine étape, bien sûr, de nos observations. Alors, on va reprendre cette question de la zone habitable, parce que c'est ça un peu l'idée de la pluralité, et puis on va aller un petit peu explorer les possibilités qui nous sont offertes par cette galaxie pleine d'étoiles et de planètes. Donc, on va regarder tous les systèmes planétaires, et puis on va aller chercher ceux où on pourrait avoir justement ces planètes un peu privilégiées. D'abord, de par leur taille, on va éliminer les planètes géantes qui n'ont pas de surface, qui n'ont pas possibilité, rien qu'à cause de leur structure interne, de leur enveloppe de gaz, d'avoir de l'eau liquide et d'avoir une surface. On va garder que les petites planètes. Et parmi ces petites planètes, on va regarder celles qui tombent dans cette fameuse zone habitable qu'on va définir assez généreusement quand même. Et on va regarder ben, qu'est-ce qu'on trouve et quelle sont la diversité au sein de ces planètes qu'on peut ainsi observer. Alors, on va d'abord jeter un œil au système stellaire le plus proche de nous, qui est Alpha du Centaure, qui se situe à un petit peu plus de 4 années-lumière. Il est constitué de 3 étoiles, un duo qui s'appelle donc Alpha du Centaure A, Alpha du Centaure B, qui est ici. Elles ne sont pas résolues sur cette image du ciel. Si on fait ici un zoom, voilà, ce sont deux étoiles d'un type assez proche du Soleil. Et beaucoup plus loin, vous avez une étoile qu'on ne voit pas là-dessus. C'est une toute petite naine rouge qui fait 15% de la masse du Soleil et qui est Alpha Centauri C, qu'on appelle Proxima, parce que dans son mouvement orbital, c'est actuellement la plus proche du Soleil. Alors, il y a un film de science-fiction qui se passe dans ce système-là, qui s'appelle Reconnu. Attention, qui c'est qui a déjà reconnu? Je ne sais pas, moi, je ne vois pas le chat. Mais quand même, voilà, vous voyez apparaître Up Pandora. ahead is Pandora. Planète lune You grew de up hearing cette about planète her, géante but I never qui figured s'appelle I'd be going there. Polyphème, à cause de son gros œil, j'imagine. Voilà, donc c'est Avatar. Et donc, dans son film, James Cameron a placé autour de Alpha Centauri A, autour d'une de ces deux étoiles, une planète. Et alors, juste pour l'anecdote, il y a quelques années, avec un ami, Sean Raymond, on s'est posé la question de est-ce que c'est possible, en fait, qui est une planète géante Polyphème avec une lune dans ce système-là. Alors on a pris toutes les observations de tentatives de détection d'exoplanètes et les limites que ça permet de donner. Alors on s'est dit, bah, il y a une possibilité. Voilà, si Polyphème était dans le même plan que l'orbite de ces deux étoiles, là on l'aurait détecté par les vitesses radiales. Pour qu'on ne le détecte pas, il faut qu'on ne puisse pas voir le mouvement de son étoile dû à l'orbite de Polyphème. Donc, il faudrait que Polyphème soit dans le plan du ciel. Mais comme on connaît l'orientation des deux étoiles, on peut faire des tests et une telle orbite ne serait pas stable. Alors, Sean avait écrit un blog à l'époque pour dire, voilà, Polyphème et donc Pandora ne peuvent pas exister. Ben, on avait été contacté par les studios de James Cameron, qui nous ont fait miroiter de participer à l'écriture, au consulting des suites.
Bon, en fait, on a été un peu triste. On s'est avéré avec le temps que c'était surtout pour nous faire signer un non-disclosure agreement sur ces questions-là. Mais c'était rigolo. Donc, autour de la troisième étoile, Proxima, la petite, qui est beaucoup plus loin. Les deux premières étoiles, elles sont grosso modo distantes d'à peu près la distance entre le Soleil et Neptune. Donc environ 20 fois la distance entre la Terre et le Soleil. Proxima, elle est à 15 000 fois cette distance-là, la distance Terre-Soleil, de ce duo-là. Et autour de cette petite Proxima, on a trouvé une planète dont la masse minimale, on ne connaît pas sa masse actuelle, mais sa masse minimale est une fois la masse de la Terre, et elle est dans cette fameuse zone habitable. Alors si vous cherchez Proxima B, qui est le nom de cette planète, vous allez trouver plein de représentations de son environnement. Alors juste pour voilà, revenir à la question de science et imaginaire, voilà tous les imaginaires, toutes les représentations, et voilà les données qui font qu'on pense qu'il y a une planète autour de cette étoile. Voilà tout ce qui peut séparer la détection. Ici, simplement, ce sont la périodicité du mouvement orbital, du mouvement de l'étoile, qui révèle en fait une planète qui a une période de 11 jours. Alors 11 jours pour une période, ça peut paraître rien. Par rapport aux 365 jours de la Terre autour du Soleil, on se dit, mais c'est super près, il va faire très chaud. Mais comme l'étoile, elle fait que 0,1% de la luminosité du Soleil, en fait, elle reçoit moins de lumière que la Terre, elle est un peu plus froide, elle reçoit 65% de l'insolation terrestre. Alors, elle a un problème, cette planète, comme en fait toutes les planètes qui vont orbiter autour de petites étoiles rouges, comme la zone habitable est très proche de l'étoile, eh bien, les forces de marée, le gradient de la force gravitationnelle, sa variation, va déformer la planète, un peu comme la Terre déforme la Lune, et la Lune déforme la Terre, ça crée des marées. Et ces marées vont perturber la rotation et vont forcer la rotation à se synchroniser avec le mouvement orbital, un peu comme la Lune qui tourne sur elle-même en 29 jours et qui tourne autour de la Terre en 29 jours. Ce n'est pas un hasard, ce sont les forces de marée qui synchronisent ces mouvements-là. Et donc, on s'est dit pendant longtemps, ouais, mais ça, c'est terrible, comme on va avoir un côté très, très chaud, un côté très, très froid. Et alors, la science-fiction a exploré ça, notamment dans un livre qui s'appelle en français Le Monde Vert de Brian Aldiss, qui a deux titres en anglais, soit Hot House, soit The Long Afternoon of Earth. Et alors, il y a des petites erreurs dans ce livre, mais disons que l'idée est correcte qualitativement, c'est-à-dire que là, effectivement, la rotation de la Terre ralentit. La Lune s'éloigne, donc lui il imaginait qu'en fait à la fin la Lune se retrouvait dans un des points de Lagrange, que la Terre serait synchrone, que la Lune serait synchrone, et il imaginait que donc il y aurait un côté très chaud de la Terre couvert de jungle et puis un côté froid. Mais même les scientifiques, donc eux quand ils ont été forcés, parce que lui il a écrit ça il y a longtemps, les scientifiques ils ont été forcés de considérer ça quand ils ont été mis face à cette découverte, pas trop d'imagination. Eh bien, ils se sont dit, mais toute l'eau va s'évaporiser du côté chaud et elle va aller se condenser du côté nuit, ça ne va pas être habitable. Alors, il se trouve qu'avec des collègues, on a travaillé là-dessus après avoir trouvé Proxima B. Et en fait, on a fait des simulations climatiques et on trouve pas mal de configurations tout à fait stables du point de vue du climat. Et en plus, autour de ces petites étoiles rouges, le fameux phénomène d'emballement lié à l'effet réfléchissant de la glace, qui fait que parfois on se retrouve piégé dans des états froids. Ça n'existe pas autour de ces étoiles, parce que quand vous éclairez de la glace ou de l'eau avec le rayonnement rouge d'une petite étoile, le pouvoir réfléchissant des deux est le même. Donc il n'y a pas cet effet d'emballement. Et voilà ici un exemple de ce qu'on appelle les eyeball planètes, les planètes œil, où en fait on a un océan qui fait face à l'étoile et tout le reste est pris dans la banquise. Donc vous imaginez une planète couverte d'océan. Et sur la simulation, en fait, tout ce qui est, c'est pas intuitif, mais c'est souvent comme ça qu'on fait, tout ce qui est rouge, on va dire, c'est là où il y a de l'eau liquide en surface, parce que c'est au-dessus de 0 degré, et tout ce qui est bleu, c'est le côté qui est dans la nuit, et où là, on a de la glace. Mais ça n'est qu'une des configurations climatiques où on peut avoir de l'eau liquide, il y en a d'autres. Je ne vais pas y passer beaucoup de temps, mais voilà, on s'amuse un petit peu, on fait notre science-fiction de scientifique en imaginant les climats et en les simulant. Alors, Trappist-1, c'est un système extraordinaire qui s'est révélé avoir 7 planètes qu'on a trouvées par la méthode des transits. On en avait trouvé 2 avec une suspicion d'une troisième depuis le sol avec un petit télescope conçu par, ils ont utilisé par les Belges de l'Université de Liège,
d'où le nom de Trappiste. Et quand on a pointé le télescope Spitzer vers cette étoile, pendant 21 jours d'enfilée, on a trouvé des transits partout. On a vu qu'il y avait un système de 7 planètes. C'est un super système. Il ressemble un peu au système de Jupiter et de ses lunes. Parce qu'en fait, ce système ici est à l'échelle en taille. Donc, Trappiste 1, l'étoile en bas, a à peu près le même rayon que Jupiter, mais plus massive. Trappiste 1 fait environ 9% de la masse du Soleil. Donc, c'est quand même beaucoup plus massif que Jupiter. Ces planètes sont plus grosses que les lunes que les lunes galiléennes, puisqu'elles ont à peu près la taille de la Terre. Mais les périodes orbitales sont similaires. Les distances sont différentes, mais les périodes orbitales sont similaires. Donc, la première de ces planètes, la 1b, Trappiste 1b, tourne autour de son étoile en un jour et demi. Et la plus lointaine tourne en 18 jours. C'est un système assez fascinant. En termes d'insolation, eh bien, on a ces 7 planètes qui ont des insolations qui vont de grosso modo entre celles de plus ou moins Vénus, disons, jusqu'à la ceinture d'astéroïdes. On a 3 planètes au moins qui sont dans la fameuse zone habitable où on pourrait avoir de l'eau liquide. Donc c'est un système totalement fascinant. Et alors qu'on était en train de travailler sur ce système, il y a une autrice de science-fiction que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Laurence Funère, qui avait eu vent de ce travail en cours grâce à un collègue qui était alors à l'Observatoire de Genève, Amaury Triot. Et elle a été fascinée, inspirée par ce système, et elle a écrit un texte qui s'appelle Le Terminateur, qui se passe sur une des planètes de ce système-là. Et il se trouve qu'avec Amaury, j'ai relu ce texte et j'ai interagi avec Laurence pour, avoir une véracité scientifique, disons, de coller à ce qu'on savait de ce système. Et Nature a annoncé la découverte, ils ont joint à la publication la nouvelle, traduite en anglais, de Laurence Funère. Voilà, un exemple d'un récit imaginaire qui a accompagné la publication d'une découverte. Alors on va continuer encore quelques minutes cette exploration justement des cas très diversifiés. Eh bien, on a dans le catalogue des exoplanètes, on a des Tatooine. C'est-à-dire qu'on a des planètes qui sont en orbite autour de 2 étoiles. Les planètes qu'on a découvertes comme ça ne sont pas dans la zone habitable, mais on pourrait tout à fait en trouver. On ne voit rien de rédhibitoire à l'habitabilité de ces planètes, d'être en orbite autour comme ça, et alors ce qui se passe, c'est que même dans les articles scientifiques, on appelle ces planètes-là des Tatooine dans les articles scientifiques. Donc la première qui a été découverte, c'était Kepler 16b. Et je vous montre juste ce que vous voyez dans cette figure ici. C'est ce qu'on appelle la courbe de lumière. Donc, en fait, c'est l'observation de la luminosité de ce système. Donc, c'est une étoile binaire. Donc, elle est variable parce qu'on ne voit pas toujours. Enfin, déjà, les étoiles sont un petit peu variables. Puis, de temps en temps, vous avez. Il faut voir qu'on regarde vraiment ce système stellaire dans son plan orbital. Donc, de temps en temps, quand c'est un truc bleu, c'est l'étoile B qui éclipse l'étoile A. Boum! Quand vous avez un très jaune, c'est l'étoile A qui éclipse l'étoile B. Et puis, les petits transits verts, c'est quand la planète passe devant l'étoile A, boum, et les traits rouges. Alors, l'étoile rouge, elle est beaucoup plus grosse que l'étoile A. Donc, c'est comme dans Star Wars, hein, vous avez un soleil jaune et une naine rouge. Et donc, quand ça passe devant la petite étoile, ça fait un beau transit, parce que le disque de la planète est important par rapport à l'étoile, et puis quand c'est devant la grosse, ça fait un tout petit truc. Et donc, on a un système extrêmement compliqué, et depuis, on en a trouvé des systèmes beaucoup plus farfelus que celui-là, c'était le premier. Et donc, des mondes sympas à imaginer. Alors, pareil, la science-fiction, alors dans un autre cas, on l'a déjà vu avec Alpha du Centaure, où là, on avait 3 étoiles, et une très loin des 2 autres qui avait sa planète. Eh bien, on connaît plus d'une centaine maintenant de systèmes stellaires multiples, c'est-à-dire que le Soleil est une étoile simple, mais environ la moitié des étoiles sont dans des systèmes multiples. Eh bien, donc on a le cas circumbinaire, qui est le cas Tatooine, mais on a aussi le cas où les 2 étoiles sont assez éloignées l'une de l'autre, et en fait, chacune, l'une des 2 ou les 2, peut avoir son système planétaire. C'est pareil, ça avait été imaginé toujours par Brian Aldiss, dans le cycle Heliconia, où en fait il avait imaginé qu'il y avait une étoile avec la planète qui est le théâtre de l'histoire, qui fait une orbite très elliptique autour d'une étoile très lumineuse. Et en fait, ça crée des saisons
En plus des saisons liées à ce système-là, ça crée des saisons très très longues, avec des hivers très longs ici dans cette partie-là, et puis des étés plus rapides, liés à la proximité entre les deux étoiles. Et il décrit un peu, je dirais, le fonctionnement de cet univers avec ce rythme-là. Alors on trouve aussi beaucoup beaucoup d'orbites qui sont beaucoup plus elliptiques, on dit excentriques en astronomie, que celles qu'on a dans le système solaire. Mars est un petit peu excentrique, mais c'est pas grand-chose. Pluton l'est déjà pas mal, mais on trouve des exoplanètes vraiment très elliptiques. Et bien sûr, on peut se poser la question, mais quid d'une planète dont l'orbite passe qu'une partie de son temps dans cette fameuse zone habitable? Eh bien, ça va dépendre beaucoup en fait de l'étoile autour de laquelle on se trouve. Pourquoi? Eh bien, simplement parce que la période orbitale va jouer beaucoup. Donc, si je me place à gauche, vous avez une étoile de type solaire. J'ai placé une planète avec une orbite de 740 jours, mais qui serait dans la zone habitable si elle avait une orbite circulaire. Elle serait aux alentours de Mars, on va dire. J'ai pris une étoile plus petite, hein, de 60% de la masse du Soleil, et une étoile encore plus petite, où là, la période est de 38 jours. Donc vous imaginez bien maintenant, si je lance mon système, que si je suis à droite et que je parcours mon orbite en 38 jours, ben, l'inertie du climat, des océans, va faire que bon, ce qui compte, c'est la moyenne. Il y aura des petites variations, mais globalement, je dirais 38 jours, ce n'est pas assez pour forcer le système. Donc en fait, ce que va voir le système climatique, c'est essentiellement une moyenne de cette insolation. Si je suis à l'autre bout du spectre, autour d'une étoile comme le Soleil, avec une orbite de 740 jours, ben, je vais les sentir passer, les moments où je suis très proche de l'étoile, et peut-être que pendant la période où je suis très loin, je vais former suffisamment de glace pour commencer à initier cet emballement des glaciers. Et donc ça, ce n'est pas encore très, 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 très étudié. On a commencé à étudier ça dans des papiers. On étudie le climat de ces planètes-là. Et donc là, ça va jouer beaucoup, en fait, la période orbitale de ce système. S'il y a des auteurs de science-fiction ici qui écoutent, ben oui, c'est quelque chose qui peut être intéressant à explorer. Alors là, je vous montre un extrait de film. C'est assez facile de trouver. Je n'ai pas le chat, mais tu me fais signe si quelqu'un trouve. Ce n'est pas trop dur normalement. Là, pour l'instant, on ne peut pas savoir. Hein. On sait que c'est un film Universal, mais on va plonger vers la planète. Et puis, on va voir les continents petit à petit s'effacer, grignotés par la montée des eaux. Et finalement recouvrir toute la planète. Donc, vous avez forcément reconnu Waterworld, le film de Kevin Reynolds avec Kevin The Costner. future, Et tout the ça pour polar dire qu'en ice fait, caps have bah, oui, melted, tout à fait, il y a covering forcément the earth des with mondes. water. D'ailleurs, on pense que la Terre, au début de son Those who histoire, était survived une aquaplanète, une planète have recouverte d'océan, parce adapted que ça a mis un certain temps to a new world. de former les continents. Et une des grandes questions, justement, c'est savoir quelle quantité d'eau on va trouver sur ces planètes. C'est bien beau de les détecter, etc. Mais les théories de formation des planètes, elles sont encore un peu balbutiantes. On n'est pas capable de prédire si les planètes, elles vont avoir 0,0, pardon, moins de 0,1% de leur masse en eau. Donc ici, sur cette image, on a pris toute l'eau de la Terre, on l'a rassemblée dans une petite sphérule là pour vous faire la comparaison. Mais on peut tout à fait voilà, donc là, c'est la structure interne. On a juste un manteau, enfin, un manteau silicaté et un noyau. Et on peut tout à fait imaginer des planètes qui ne seront pas faites de 0,1% d'eau, mais de 1%, de 10%, de 20%, de 30%, comme les lunes des satellites glacés. On est à peu près sûr qu'il y aura des planètes. On a des candidats pour ça, c'est-à-dire des planètes, des grosses terres qui sont d'assez faible densité. Et on ne sait pas si c'est parce qu'elles ont une enveloppe épaisse d'hydrogène ou parce qu'elles ont beaucoup d'eau, mais on pense qu'il y aura comme ça des mondes océaniques. Alors, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'eau pour faire le Waterworld de Kevin Costner, vous pouvez le faire avec l'eau terrestre, mais vous imaginez bien que si vous avez un monde avec des océans de 1 000 km de profondeur, là, c'est encore une autre paire de manches, et ce n'est pas évident d'imaginer si, autant on se rend bien compte qu'il peut y avoir pas assez d'eau sur une planète pour permettre la vie, sauf si vous êtes un Fremen et que vous êtes capable d'exploiter chaque petite goutte d'eau. Mais est-ce que ce n'est pas un problème pour la vie et l'émergence de la vie d'avoir des océans très profonds? On ne sait pas trop, c'est une question intéressante. Puis je vais finir avec un aspect, moi, qui me fascine, et vous allez voir, je vais vous en dire un peu plus, et j'aurai fini là-dessus, qui est les saisons, en fait, et plus exactement ce qu'on appelle l'obliquité. Donc l'obliquité, c'est ce qui fait que sur Terre, on a
des saisons, c'est l'inclinaison de l'axe de la Terre par rapport au plan orbital, ce qui fait que dans l'été de l'hémisphère nord, la Terre présente plus son hémisphère nord que son hémisphère sud au Soleil, et inversement, dans l'hiver nord, c'est l'été au sud. Donc ça, ce n'est pas du tout lié à la distance entre l'étoile et la planète, c'est simplement lié à cette inclinaison de l'axe de rotation. Et moi, j'ai toujours été fasciné par les saisons, parce que justement, dans cette analogie que l'on fait avec d'autres mondes, où on a parfois peut-être cette idée que la Terre, c'est un optimum, est-ce que c'est bien les saisons pour la vie? C'est une question que je me suis souvent pensée. Quel bazar quand même pour la vie de devoir s'adapter aux saisons, les plantes de perdre leurs feuilles, certains animaux de migrer, d'hiberner, ça semble complètement naturel. Mais il y a des planètes qui n'auront pas de saison. La majorité des planètes n'auront pas de saison. Ces planètes que je vous ai montrées en rotation synchrone, elles n'ont aucune obliquité. Et il y a des planètes qui auront aussi des obliquités, donc des saisons beaucoup plus grandes. Donc ça, je trouvais ça assez intéressant d'explorer ça, même scientifiquement. Et notamment d'aller voir qu'est-ce qui se passe quand on a des saisons très, très marquées, des planètes à forte obliquité. Alors, il y en a dans le système solaire. Il y a Uranus qui a une obliquité de 90 degrés, même plus marquée que ça, donc comme si elle roulait sur son orbite. Donc des saisons très très longues. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'est de regarder ça sur des planètes avec des surfaces et de l'eau liquide. Et donc, voilà ce qui se passe en fait quand on augmente l'obliquité. Donc, n'ayez pas peur de la figure, je vais vous la décrire. Ce que vous avez en bas, c'est la latitude. Donc, moins 90, on est au pôle sud, 90, on est au pôle nord, et à 0, on est à l'équateur. Et on va juste regarder la courbe en pointillé qui est l'obliquité terrestre. Donc, l'obliquité terrestre. Ça fait quoi? Ça fait que l'insolation, en moyenne sur une année, elle est beaucoup plus marquée, elle est beaucoup plus forte à l'équateur, dans les tropiques, qu'au pôle. D'accord? Et ça, on voit bien, il fait froid au pôle, même en été, il ne fait pas très chaud, et puis en hiver, il fait très froid. Mais en fait, si vous augmentez l'obliquité, que vous passez une obliquité de 50 degrés, donc 50 degrés, on est à peu près à quelque chose comme ça, à 50 degrés d'obliquité, si vous faites la moyenne sur une année, vous recevrez une insolation qui est à peu près la même à l'équateur qu'au pôle. Et si vous allez vers des obliquités plus élevées que 50 degrés, mettons par exemple 75 ici, eh bien on va avoir les pôles qui sont plus ensoleillés que l'équateur. Donc ça, m'intéressait beaucoup d'explorer les conséquences climatiques de ça. Alors on peut distinguer, pour simplifier, je ne vais pas mettre de continent, je vais considérer une planète qui est couverte d'eau, mon Waterworld de Kevin Costner, de Kevin. Donc, vous avez plusieurs possibilités. Alors, c'est pareil, pour nous scientifiques, ce qui est rouge, c'est chaud, et ce qui est bleu, c'est froid. Donc, là où c'est rouge, il y a de l'eau liquide, et là où c'est bleu, il y a de la glace. Donc, on va avoir le cas qu'on va appeler l'aquaplanète, hein, Waterworld, il y a de l'eau partout. Voilà. On va avoir le cas terrestre, qui est là, en bas ici, l'aquaplanète qui a des calottes polaires. Alors, permanente ou pas permanente, ici, elle apparaît en hiver et elle disparaît, donc on peut avoir un peu les deux. Actuellement, on est dans un cas où on a deux calottes polaires, mais on va petit à petit, avec le réchauffement climatique, vers un cas où on n'aurait plus de calotte nord, en tout cas, et plus qu'une calotte sud. Et ça, c'est essentiellement ce qu'on trouve à basse obliquité, mais si je prends des obliquités élevées, mais on va avoir le contraire, c'est-à-dire qu'on va avoir des bandes ici très froides, polaires, avec des océans, une bande équatoriale glacée, avec des océans polaires qui peuvent être soit permanents, soit saisonniers, soit bien sûr, il fait trop froid, on peut tout geler. Et donc, quand j'ai étudié un peu ce type de cas, je trouvais ça intéressant et j'ai contacté un ami à moi qui s'appelle Jean-Claude Gabdi, sous son nom d'auteur, je lui ai dit, quand même, ça ne t'inspire pas des histoires avec des formes de vie qui pourraient n'avoir jamais connu les formes de vie d'ici, du nord, du sud, séparées par des conditions absolument glaciales et des océans comme ça complètement découplés. Et on est parti sur un projet autour de ça. Et j'ai fait des simulations climatiques pour le monde fictif de J.C. Gabdi. Donc, vous voyez ici des simulations de la météo de cette planète, et je vais vous en parler juste un tout petit peu parce que c'était sympa. Donc c'est une planète un peu comme la Terre, autour d'une étoile un peu comme le Soleil, mais qui a une obliquité alors elle a une gravité un peu différente, on a pris tout ça en compte, elle a une rotation un peu différente, mais elle a une obliquité de 75 degrés environ. Et donc j'ai pu faire des simulations, donc c'est assez sympa ce qui se passe.
Alors, peut-être avant d'aller aux simulations, ben, JC, il a fait une carte. Je lui dis, j'ai besoin de mettre ce que tu veux des continents. Bon, il a fait une carte et je l'ai numérisée avec ses niveaux d'altitude. Et donc ça, j'ai pu mettre les continents avec leurs altitudes, les montagnes, les îles à la surface de la planète. Et j'ai pu simuler ça. Donc, vous voyez ici différentes grandeurs. Donc, celle qui est peut-être. Alors, à gauche, en haut à gauche, vous avez l'insolation. Donc, ça permet de voir vraiment les saisons extrêmes. Donc, là où il fait no... là où c'est noir, c'est qu'il fait nuit. Et puis, vous voyez la partie éclairée. Donc, là, j'ai juste fait bouger un peu la planète aussi pour qu'on voit un peu en haut en bas. Donc, vous voyez sur la banquise les océans saisonniers. Donc, les océans polaires qui se referment en hiver et qui se réouvrent en été. Vous voyez les températures de surface en haut à droite. Hein. Alors, j'ai aussi rajouté l'échelle en degrés Celsius. Et puis, les nuages, les pluies, la neige. Donc, tout un monde qui prenait vie et des résultats scientifiquement intéressants et peut-être des choses hein, qui pouvaient inspirer des situations, des obstacles, des contraintes intéressantes pour l'auteur de SF qui, voilà, un peu comme disait Feynman sur la science. La science, c'est l'imagination avec une camisole. Et bien, la camisole, elle est un petit peu plus débridée, mais on en met quand même une petite pour voir si ça nous inspire des récits. Et donc, voilà, j'ai pu faire un zoom sur un des continents qui s'appelle. Les explorateurs de ce monde n'ont pas été très original. Ils l'ont appelé l'Australie, parce qu'il était à peu près au même endroit, il avait à peu près la même forme. Et donc, j'ai pu faire des zooms. Et voilà, par exemple, regarder 3 jours sur Australia. À l'équinoxe de printemps et donner les cartes de vent pendant 3 jours avec la durée du jour, l'éclairement, l'épaisseur de banquise à ce moment-là, les chutes de neige et tout ça. Donc ça, c'était pour ma petite contribution émue à la science-fiction qui m'a tant apporté. Et alors, je n'attends pas à ce que les auteurs de science-fiction utilisent tout l'attirail de la simulation numérique et de la science pour faire des récits. Ils n'en ont pas besoin. C'était un jeu pour nous de voir ce que ça donnait, d'écrire pour JC un roman là-dessus et moi d'y ajouter un petit livret sur la science qu'on pouvait déduire, qu'on pouvait faire avec un cas comme ça. Donc c'était un échange assez passionnant. Et voilà, pour finir là-dessus, en termes d'observation, quelles vont être les prochaines étapes? Eh bien, on a détecté beaucoup d'exoplanètes. Maintenant, c'est d'étudier vraiment la diversité des environnements, les atmosphères, et comprendre un peu la diversité des environnements qu'on va trouver, comprendre leur formation, leur évolution. Alors, on est vraiment au tout début de ça. On va avoir une première étape, si tout se passe bien cette année, avec le lancement du télescope spatial James Webb, qui, par exemple, devrait pouvoir détecter des atmosphères s'il y en a sur les planètes de TRAPPIST-1. Donc, on est assez fasciné. Mais ce sera le début d'un travail long. Il n'y a rien d'imminent, par exemple, on ne trouvera pas de la vie sur une exoplanète dans même, je dirais, les décennies à venir, mais on va peut-être commencer à dépouiller, à dévoiler tout ça. Et alors, ce qui me fait un petit peu peur, c'est par rapport à ce que je vous ai raconté sur Mars, parce qu'on va être, bien sûr, au début de cette observation des exoplanètes, dans la même situation que Percival Lowell, on va vous donner des images très, très grossières de ces planètes-là, et tout le monde aura, je dirais, un terrain de jeu pour y projeter son imaginaire et pour y imaginer les canaux des exoplanètes et les civilisations des exoplanètes. Donc, je m'attends à beaucoup, beaucoup de phénomènes d'annonce. Et je voulais juste conclure, voilà, j'espère qu'on n'aura pas le phénomène canaux sur les exoplanètes et la déception finalement qui en a suivi. Et je voulais rajouter quelque chose sur le fait que. Ben, vous avez parfois des collègues astrophysiciens qui vous disent, donnez-moi un super télescope, quelques milliards d'euros ou de dollars, et je vous trouve la vie dans les 20 ans à venir. Alors, quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que parfois on résume le débat sur la vie ailleurs en disant, mais ce n'est pas possible, il y a forcément de la vie ailleurs, ou non, j'y crois pas. En fait, quand on est scientifique, on a un petit peu un problème avec l'unicité, on ne voit pas forcément de raison pour que la vie n'apparaisse pas ailleurs, mais par contre, il ne faut pas oublier que la vie, on ne sait pas si elle va être très rare dans l'univers ou très commune. Et pour qu'on puisse la détecter, il ne faut pas juste ne pas être seul dans l'univers. Il faut que des planètes avec de la vie, et non seulement de la vie, mais de la vie qui a une activité qui fait qu'on peut la détecter, ce soit extrêmement commun. Il faut qu'il y en ait autour des étoiles les plus proches de nous
pour qu'on puisse l'observer. Ne commettons pas non plus l'erreur de Fontenelle ou de Flammarion de penser que c'est partout. C'est peut-être rare. Est-ce qu'il va y avoir de la vie que dans d'autres galaxies, ou est-ce qu'on va en trouver aussi dans la nôtre? Si on en trouve dans la nôtre, est-ce que ça va être suffisamment commun pour qu'il y en ait à portée de télescope? Donc, parfois, on a tendance à poser cette question de façon binaire. On est seul ou on n'est pas seul. Mais pour pouvoir détecter de la vie ailleurs, en tout cas, je dirais, dans les décennies, les siècles à venir, il faut qu'elle soit suffisamment proche, en tout cas, sauf si on imagine qu'on reçoit des messages intentionnels, etc., bien sûr. Mais par les moyens de l'observation scientifique, je dirais, de l'observation des exoplanètes. Voilà. Donc, ça n'en reste pas moins une question passionnante, mais on ne sait pas placer le curseur entre l'hypothèse de vie très commune, au point que bah, y en a quasiment partout et on va trouver ça assez vite, ou si c'est extrêmement rare, au point que peut-être il n'y en a même pas dans notre univers observable. C'est trop loin pour être observé. Donc, je vous laisse réfléchir sur cette question-là, et je m'arrête là, et j'ai parlé beaucoup, mais je pense qu'on a quand même le temps pour des questions. Merci Franck pour cet exposé très complet et sur la diversité des planètes. S'il y a des gens, si tout le monde n'est pas parti. Non, il y a des questions, il y en a quelques-unes. Alors, il y en a où tu as répondu en fin d'exposé, donc je ne vais pas les reposer. Moi aussi j'en ai, donc je vais commencer. Alors peut-être une première question. Déjà, combien d'exoplanètes qu'on pense être habitables, on a détecté actuellement? Alors, habitables dans le sens où oui, qui sont à la bonne taille et à la bonne insolation ou distance de leur étoile. Ce n'est pas très facile. Alors, je pourrais vous donner le nombre. Ce n'est pas beaucoup. C'est peut-être quelques dizaines. Beaucoup avec Kepler, dont on ne sait pas grand-chose parce qu'elles sont trop loin. Mais ce qui est très important pour nous, c'est la statistique qu'on